Salut les amis, petite vidéo de Canary Greg. Donc aujourd'hui on va faire un suivi de l'élevage et puis bah là je suis mécano à Paris, je sais pas si la qualité va être le même, donc vous me direz quoi, quoi. Donc voilà, ici nous avons notre mâle Raza. Donc il est tout seul parce que je l'ai mis avec sa femelle mais ils se battent à mort. Donc j'attendrai un petit peu, je vais trouver un système, on verra bien. Pour l'instant, il vaut mieux qu'il reste tout seul, quoi. Voilà. Donc c'est nickel. Ici nous avons notre couple de mosaïques jaunes. Donc il y a un intensif et un clair. Donc le mâle c'est l'intensif et la femelle c'est la claire. Donc a priori tout se passe très très bien quoi. Après nous avons notre premier couple de Raza. Donc ceux-là c'est ceux de Bernard que j'ai acheté. Et Bernard, si tu regardes ma vidéo, tu peux me dire si j'ai bien remis les couples. Bah oui, ils sont bagués tous les deux. Non, ils sont non bagués tous les deux, les deux adultes. Donc je pense pas que c'est les jeunes, parce que les jeunes, tu me les as bagués, je l'ai vu. Donc voilà. Ici, nous avons notre deuxième couple. Voilà. Voilà. Ici. Ça va, ça se passe super bien pour les deux coupes de Raza. Donc je sais pas si, je pense pas m'avoir trompé. Après ici vous avez ma deuxième femelle jaune intensif. Donc faut que je trouve un mâle clair. Donc je chercherai aux dernières minutes quoi, pour maintenant quoi. Des mâles on en trouve toujours facilement quoi. Donc voilà. Après ici nous avons notre troisième coupe de Raza qui vient encore de chez Bernard. Voilà Bernard, ça c'est ceux qui sont bugués tu vois. Bugué tous les deux donc je pense pas m'avoir trompé. Voilà, sinon ça se passe super bien. Donc voilà quoi, les canaris, les couples sont super bien. Bon, il manque le léopold. Donc ici vous avez la femelle du Raza en haut, mais ça se passe très très mal. Donc pour l'instant on laisse comme ça dans une petite cage comme ça tranquille. Voilà, donc ici pareil, ça s'est pas super mal passé. Donc ils se sont battus. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis séparation pour qu'ils se voient. Là c'est la femelle. Et ici vous voyez le mâle. Donc pour l'instant ça se passe pas. Ça se passe bien pour eux, mais bon bah ils sont séparés en même temps. Donc c'est logique. Donc sinon tout se passe très très bien pour l'instant quoi. Les canaris ils vont super bien. Il n'y bon, a rien à déplorer quoi. Tout se passe super bien quoi. Voilà. Donc ouais, c'est bonne préparation sans perte quoi, pour le moment, parce qu'on n'a pas encore atteint les négatifs dehors. Je pense que d'ici mois de janvier-février, je vais avoir des surprises. J'espère pas, mais bon. Tout se passe très très bien. Bah, là, vous pouvez voir dans la pièce d'élevage. Hein. Il fait 2, 4, 6... oh, il fait 16 degrés, donc c'est super quoi. 16 degrés, et dehors, s'il fait 3 ou 4 degrés, c'est beau quoi. Donc voilà. Donc là je suis mécano à Paris, je vais voir ce que ça donne en mettant la vidéo. Donc si ça va pas, je reprendrai sûrement mon appareil. Donc voilà. Je voulais faire un coucou à tout le groupe WhatsApp, à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés, parce que j'ai pris énormément d'abonnés cette semaine, donc je vous remercie. Et un petit coucou à Jonathan. J'ai vu tes mutations Tchardo et Tarin et tout, bah j'ai pas mis de message. Donc je préfère te le dire en direct. Ils sont super beaux tes chardos. Je pense que l'année prochaine je vais venir faire un tour chez toi. Donc voilà. Donc un petit coucou Jo. Et bonne chance pour ta saison 2019. Bon je m'inquiète pas, je sais que tu sors des bonnes saisons. Donc ça va, t'as pas trop de mal toi. Donc voilà les amis. C'était une petite vidéo de Canary Greg. Donc je vous remercie. Et puis bonne saison 2019 à tous.